Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche matin, 7h30, pour une vidéo qui va changer d'habitude. On part pas pour une course aujourd'hui. Si vous suivez sur Instagram, vous savez que dans 15 jours maintenant, il y a le triathlon de Luchon qui arrive. Le triathlon de Luchon, c'est de la montagne à 400 mètres de natation. Après, il faut grimper jusqu'à Superbannière, suivi d'un trail de 10 km avec 500 mètres de dénivelé. Et du coup, pour être sûr de pouvoir y arriver, aujourd'hui, on part à Luchon pour essayer de grimper la montagne. Donc on part sur une vidéo entraînement, on pourrait dire ça, où en fait c'est le grand test. Est-ce que je suis moi capable de monter là-haut? Pour le savoir, vous regardez ça, je vous retrouve à Luchon. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est parti. Direction Superbannière. Bon, on vient de faire 6 km. Franchement. Une petite pause pour reprendre son souffle. On atteint les. Là, ça fait 9 km. On est à plus de 400 mètres de dénivelé. Les paysages sont toujours magnifiques. Mais la fréquence cardiaque augmente un peu, donc on fait une petite pause pour reprendre son souffle et puis on est reparti. Allez, encore 9 km avant d'être en haut. C'est dur, ça pique, mais on continue. km. On est à 1360 mètres d'altitude, 700 mètres de dénivelé. Il en reste 6 km. Pas évident. La montagne, c'est la montagne. On le savait, mais c'est dur. En tout cas, les paysages magnifiques. Bon, allez, on continue parce que sinon. On va arriver en haut, ce sera la nuit. Allez, c'est parti. mètres. L'arrivée, elle est juste au bout derrière. Je sais pas si on voit. Un peu plus de 900 mètres de dénivelé. 910 mètres. Il en reste 200, 300. On est à 2 heures d'ascension. Un petit arrêt pour reprendre son souffle parce que là, c'est dur. Les jambes commencent à piquer aussi. Pas évident. Je compte sur vous pour vous abonner. Ouais, même là j'arrive à y penser. On approche des 100 abonnés. Likez, partagez. Montrez que c'est pas évident la montagne. Que la vie c'est pas Instagram tout beau tout rose où tout paraît facile. Faire plus de 100 kilos et monter un col, franchement, je savais que ça serait dur, mais c'est costaud quand même. Bon allez, la petite famille attend là-haut. On va pas arrêter maintenant, il en reste que 3. Le dernier kilomètre à normalement est censé piquer, donc il en reste 2 acceptables et puis on verra comment ça va se passer. On continue? Allez, c'est parti. L'arrivée est juste là. Et on est parti de quelque part tout en bas là-bas. Là. 18 km, 2h40. Les paysages sont toujours magnifiques. 1000 mètres de dénivelé. Première fois qu'on fait les 1000 mètres en vrai. Zwift, c'est de la rigolade à côté. On va pas se mentir. Allez, il reste 1,5 km. Jusque là-haut.
Voilà. Et on aura fini ce premier col de toute notre vie. Je repasse tous les week-ends, je vous le dis tout de suite. Allez, vous m'encouragez un peu? On s'abonne, on like, on y va. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires que vous compatissez à cette souffrance, parce que tous les gens qui se moquent des gens qui vont pas vite dans l'école et qui ont du mal, prenez un vélo et en vrai, la montagne, c'est costaud. C'est joli, mais c'est dur. Allez, 1,5 km et on est en haut, c'est reparti. Allez, il a fait mon écart. T'es content? Et voilà, on est arrivé à Super Bagnères. 2h57 pour monter. Il y a eu pas mal d'arrêts quand même. Ça pique un peu. Mais en tout cas, c'est réussi. Je vais vous faire découvrir le haut quand même, parce que bon, c'est pour ça qu'on est monté. J'ai donc fait mon premier col en vélo. Col de Luchon, c'était pas le plus facile. J'en ai vraiment chié ma race. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt. On va pique-niquer tranquillement en famille, puis on va redescendre sur Toulouse. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.